me have the pleasure of introducing Dr. Geraldine Cray. She's an assistant teaching fellow in French at Durham University. After a BA and an MA in French studies and a teacher training degree at the University of Liège in Belgium, she completed a PhD in French studies at Bangor University. Her research interests include 19th century French narratives, gender studies, creativity in language teaching, and relations between language and dance. She's also a fellow of the Higher Education Academy and a certified DELF examiner. Geraldine, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc dans cette communication, je vais parler de la danse classique, et en particulier de la danse classique pour favoriser l'apprentissage linguistique et le développement personnel des apprenants. Dans cette communication, je parlerai tout d'abord, j'expliquerai très brièvement mon projet des ateliers de danse classique en français à l'université. J'expliquerai ensuite pourquoi j'ai choisi la danse classique, en mentionnant notamment les avantages physiques, mentaux, sociaux, personnels, culturels, cognitifs et linguistiques de la danse. J'expliquerai ensuite plus en profondeur l'organisation de mes ateliers, ainsi que ma méthode d'enseignement. Je dirai quelques mots, je l'espère, sur le feedback des participants. Et puis, je conclurai en parlant des limites du projet, qui, je dois l'avouer d'emblée, est inachevé. Il a été interrompu par la pandémie. Et puis, je terminerai sur une note plus positive sur mes idées futures. Donc, en quoi consiste ce projet? Eh bien, il s'agissait d'organiser des ateliers gratuits de danse classique pour tous les étudiants de l'université de Durham. Durham se trouve dans le nord-est de l'Angleterre, pour qu'ils puissent découvrir la danse classique tout en pratiquant leur français. Tous les ateliers étaient enseignés strictement en français. C'est un projet qui a été financé par une bourse collaborative de l'université de Durham à partir du 1er décembre 2019, mais il a en fait commencé avant, normalement jusqu'au 31 juillet 2020, mais le projet, comme je l'ai dit, s'est interrompu. Et donc, j'avais avec moi une assistante, Christina, qui est une étudiante de licence du département de français et qui est aussi une très bonne danseuse, et son salaire était payé par la bourse. Alors, pourquoi la danse classique? Eh bien, tout d'abord parce que la danse, c'est ma spécialité. J'en fais depuis l'âge de 6 ans. Je ne suis pas une très bonne danseuse, mais disons une amatrice expérimentée. Et puis aussi parce que la danse classique est profondément liée à la langue et à la culture française. La terminologie de la danse classique, et ce dans le monde entier, est en français. De plus, la danse classique a connu son essor au XVIIe siècle, à la cour de Louis XIV, qui était lui-même un danseur enthousiaste. Et puis, on peut mentionner aussi que le ballet classique tel que nous connaissons aujourd'hui s'est développé en Russie à la fin du XIXe siècle, mais sous l'influence du chorégraphe français Marius Petipa. De plus, la danse classique comporte de nombreux effets positifs sur la santé physique, mentale, des bienfaits personnels, sociaux, par exemple. C'est aussi une activité extracurriculaire, donc les étudiants peuvent la pratiquer en dehors de la classe et peuvent se libérer de la pression qu'on peut rencontrer dans un cours de langue. Il y a aussi une tendance assez récente dans les écoles à encourager l'enseignement de la danse dans les programmes scolaires. Il faut mentionner aussi que la recherche récente, notamment en neurosciences, s'est penchée sur les effets positifs de la danse, sur le cerveau par exemple, mais que jusqu'ici, elle a assez peu étudié l'impact de la danse sur l'apprentissage des langues. Il y a quelques recherches là-dessus, mais comme j'ai dit, assez peu. On peut mentionner par exemple un article d'Angela Gardner, qui s'intéresse à l'enseignement des danses latines dans des cours d'espagnol à l'école secondaire, ainsi qu'un article du New York Times qui mentionne des ateliers de flamenco
qui ont été organisées au Lincoln Center à New York pour des professeurs d'anglais langue étrangère pour qu'ils puissent se mettre en quelque sorte dans la situation de leurs étudiants. Alors, et la chercheuse Lucie Vincent, sur laquelle je reviendrai, déclare « Si la contribution physique du corps est nécessaire à l'intégration de nouveaux concepts abstraits par le cerveau, et c'est ce qu'elle soutient évidemment, on en déduit aisément qu'il faut vite revoir notre façon d'enseigner. » Donc c'est ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu revoir ma façon d'enseigner. Et j'ai voulu aussi vérifier l'hypothèse de Judith Anna. Un langage dansé peut aider à enseigner un langage verbal. Donc ça, je dirais, c'est mon projet général, comment l'apprentissage de la danse peut aider à apprendre une langue étrangère comme le français. Alors, une ressource très utile quand on s'intéresse à la danse, c'est un ouvrage de Lucie Vincent, ici. Faites danser votre cerveau. Qui est un ouvrage de vulgarisation sur les dernières recherches scientifiques et notamment neuroscientifiques sur l'impact de la danse en général, pas seulement de la danse classique, et des mouvements complexes sur le cerveau. Et voici ce qu'elle déclare. La danse mobilise toutes sortes d'aptitudes. En fait, peu de sports en mobilisent autant. Équilibre, travail musculaire de tout le corps, coordination, expressivité, interaction avec un partenaire, respect du rythme, quand on y réfléchit, il n'y a guère de fonction corporelle ou cérébrale qui ne soit pas sollicitée. Sans dire que la danse soit le seul sport qui vaille la peine, disons qu'elle comporte beaucoup d'avantages spécifiques, à commencer par le travail cognitif qu'elle impose. Donc, Lucie Vincent a presque tout dit ici. Je voudrais revenir sur certains aspects, certains effets positifs de la danse. Sur la santé physique, je crois que je n'ai pas besoin de m'y attarder, c'est évident, on se doute que danser, c'est bon pour la santé et c'est un travail total de tout le corps. Mais la danse a aussi un effet positif sur la santé mentale. Elle réduit le stress, l'anxiété et la dépression, ce qui peut souvent affecter nos étudiants. Elle va permettre de développer la confiance en soi, par exemple. Elle permet aussi de prévenir les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, ou encore, j'ai lu récemment, la maladie de Parkinson. Elle a aussi des bienfaits sociaux et personnels. Donc, elle favorise la socialisation. Elle va aussi favoriser l'expression de soi et la créativité. Alors, j'étais contente que Samuel Lagier mentionne la créativité hier dans sa conférence plénière, parce que je pense effectivement que c'est une compétence essentielle à l'université, qui est malheureusement souvent négligée en tant que telle, et que nous devrions davantage intégrer la créativité et le développement de la créativité dans notre enseignement. De plus, la danse augmente la motivation à pratiquer une activité physique, bien sûr, mais aussi à apprendre, et notamment pour les étudiants qui n'entrent pas tout à fait dans le moule académique. De plus, la danse est une composante essentielle de quasiment toutes les cultures. Alors, j'ai choisi une image de tango argentin parce que je pense que si on donne une leçon sur l'Argentine, par exemple dans le cadre d'un cours d'espagnol, c'est évident qu'on va parler du tango. Je n'imagine pas qu'on puisse ne pas parler du tango lorsqu'on parle de l'Argentine, mais cette évidence, dans ce cas-ci, devrait l'être pour à peu près toutes les cultures, toutes les langues, etc. Que la danse mérite d'être enseignée au même titre que les beaux-arts, l'architecture, les coutumes, etc. La danse a aussi des effets positifs sur les compétences cognitives. Elle va développer la relation entre l'esprit, le cerveau et le corps. Tout mouvement physique favorise cette relation, mais comme la danse comporte des mouvements assez complexes, cette relation est accentuée. Et donc, la danse va aider le cerveau à établir des connexions et à intégrer différentes expériences physiques et des expériences de perception de manière plus facile. Elle permet aussi de développer des compétences cognitives dont nos étudiants
ont besoin lorsqu'ils apprennent, quelles que soient leurs études d'ailleurs, telles que la mémoire, la conceptualisation, l'attention, la résolution de problèmes, l'observation, le multitasking, la capacité à faire deux choses en même temps. Et puis, elle favorise différents types de mémoire, comme la mémoire visuelle, la mémoire auditive ou encore la mémoire kinesthétique, qui est assez souvent négligée à l'université. Enfin, la danse a un impact positif sur la langue. Il faut comprendre que la danse, c'est une forme de communication. C'est une forme de communication non verbale. Elle va fonctionner comme un langage. Et que, comme une langue, comme un langage, il faut tout d'abord apprendre des règles. Et une fois que l'on maîtrise plus ou moins bien ces règles, on va pouvoir être capable d'improviser, de créer. Et puis, comme tout langage, elle a son vocabulaire, c'est le nom des pas. Elle a une syntaxe, la succession de mouvements. Et donc, en combinant ce vocabulaire et cette syntaxe, on va pouvoir donner du sens. Elle permet enfin d'acquérir un langage spécifique du vocabulaire, comme le corps humain, les nombres, l'espace, les mouvements ou les émotions, et des structures grammaticales telles que l'interrogation. Les étudiants peuvent poser des questions en cours et l'impératif, comprendre des ordres et des conseils, par exemple. Donc, je parlais maintenant de mes ateliers, de l'organisation de ces ateliers. Cette année, il y a eu 7 sessions, 3 au premier trimestre, donc avant Noël, et 4 au deuxième trimestre, ainsi que des répétitions pour un spectacle de danse, pour un spectacle de langue moderne dont je vais reparler. J'avais également prévu d'autres sessions à la fin du deuxième trimestre et au troisième trimestre, mais elles ont dû être malheureusement annulées en raison de la pandémie et de la fermeture de l'université. Quel était le profil des participants, ou plutôt des participantes, car malheureusement, il n'y avait que des filles, ce qui n'est pas très étonnant. J'ai eu essentiellement des apprenants du français, issus du département de français de l'université ou du centre de langue, ainsi que d'autres étudiantes qui ne faisaient pas de français à l'université, mais qui avaient appris auparavant le français et qui souhaitaient le pratiquer. L'immense majorité des participantes avaient peu, voire pas du tout d'expérience en danse classique, mais une certaine curiosité, un certain intérêt pour la danse classique. Alors, j'ai eu l'audience, le public était assez confidentiel au début, et puis il y a eu une forte augmentation au cours du premier trimestre. Je crois que le nombre a atteint son pic à la fin du premier trimestre et au début du deuxième trimestre, et puis il y a une petite diminution à la fin du deuxième trimestre, à la fois en raison d'un calendrier académique plus chargé, beaucoup d'échéances, etc., mais aussi de la pandémie, avec des étudiants qui avaient de plus en plus peur de se retrouver dans un espace clos ensemble. Donc voici une photo des étudiantes, des participantes à la fin du premier trimestre. Je crois que c'était au mois de décembre que nous avons pris la photo dans notre studio de danse. Comment organiser les ateliers? Donc, il a fallu d'abord trouver une salle appropriée, un studio de danse, c'est-à-dire qui inclut un parquet assez souple, des miroirs et une barre pour pratiquer les exercices. Heureusement, l'Université de Durham a plusieurs studios de danse, mais qui sont très demandés. Il faut se battre pour pouvoir les obtenir. Il a fallu faire la publicité avec des affiches. J'ai d'abord créé mes propres affiches et puis j'ai eu une amie qui est graphiste et qui a conçu l'affiche pour le deuxième trimestre que vous voyez ici. Avec Christina, mon assistante, nous avons créé une page Facebook pour communiquer les informations sur l'atelier, les dates des différentes sessions, mais aussi partager des articles ou des vidéos sur la danse en général. Et j'ai aussi utilisé les newsletters hebdomadaires de l'École de langue moderne et de l'Université de Durham en général pour faire la promotion du projet. Comment se sont déroulés les ateliers? De manière assez classique,
en suivant la structure de cours de danse classique traditionnelle, mais adaptée aux étudiants. Donc, j'ai commencé dans les premiers ateliers avec un travail des bras et des jambes très simple sur les positions de la danse classique. Donc, il y a 5 positions en danse classique, première position, deuxième position, etc. Donc, le but de ces exercices, tout d'abord, c'est de pouvoir entrer dans l'univers de la danse classique de manière assez simple, assez basique, mais aussi de familiariser les étudiantes avec un vocabulaire aussi assez basique du français, c'est-à-dire les nombres, les parties du cœur et le vocabulaire de l'espace, donc gauche, droite, devant, au-dessus, etc. Ensuite, nous avions des exercices d'échauffement à la barre. Donc, vous avez dans un studio de danse une barre en bois à laquelle vous vous tenez pour faire des exercices qui ont pour but de renforcer les muscles, de s'étirer et d'améliorer sa technique. Et puis, on fait un travail au centre où on peut danser et bouger un petit peu plus avec des choses comme des adages, ce sont des exercices très lents, des dégagés, un travail des jambes, des valses, des sauts et ainsi de suite. Je voulais aussi que les étudiants, les participants aient l'occasion de danser, vraiment danser. Et donc, elles ont pu apprendre de courtes variations issues de ballets classiques tels que Don Quichotte, Casse-Noisette ou La Belle au bois dormant. On terminait l'atelier donc, avec des exercices de refroidissement des muscles. Les exercices et les variations étaient enseignés à la fois par moi-même et par mon assistante Christina. Donc, je lui demandais pour chaque atelier de préparer 2 ou 3 exercices. Et c'est elle aussi qui a créé la variation de la fée des lilas issue de La Belle au bois dormant. Donc, la présence de Christina m'a permis notamment d'avoir quelqu'un pour montrer les exercices et comme ça, je pouvais passer peut-être un peu plus de temps pour voir ce que les étudiants faisaient et corriger les étudiants si nécessaire. Alors, j'en ai parlé à un moment donné. Donc, nous avons participé à un concert organisé par l'École de langue moderne qui a eu lieu le vendredi 13 mars, c'est-à-dire le jour où l'université a fermé ses portes. Donc, ça a été un petit peu chaotique. Mais ça a quand même fonctionné. Donc, nous avons dansé une variation qui s'appelle la Esmeralda, adaptée d'une chorégraphie de Marius Petipa sur une musique de Cesare Pugni. Nous devions être 7 au départ, donc 5 étudiants, Christina et moi-même. Malheureusement, Christina a dû reprendre l'avion le jour même pour rentrer en Autriche. Donc, finalement, nous n'étions plus que 6. Ce spectacle a représenté un défi. Pour moi, il s'agissait d'adapter une variation pour des débutants. C'est une variation qui est souvent utilisée pour des concours, des compétitions de danse classique. Donc, il a fallu adapter le niveau pour des gens qui n'avaient jamais fait de danse auparavant. Créer une vidéo, envoyer la vidéo aux participantes pour qu'elles puissent répéter chez elles. Organiser des répétitions en plus des ateliers traditionnels. Trouver des costumes et des accessoires. C'est une danse qui se fait traditionnellement avec un tambourin. Et pour les apprenantes, il s'agissait d'apprendre une danse en langue étrangère, puisque comme pour les ateliers, nous n'avons utilisé que le français, ou quasiment que le français pour communiquer. Il a fallu mémoriser les pas, et puis relever le défi de danser devant un public, pour des personnes qui n'avaient jamais dansé auparavant. Donc on peut voir toutes les compétences transversales, cognitives, etc., qui ont été mobilisées par les participants pouvoir faire ce spectacle. Donc voici une photo de nous juste avant le spectacle. Pour parler de mes méthodes d'enseignement, je pense qu'on peut comparer ça à la méthode CLIL, donc Content and Language Integrated Learning. Donc l'apprentissage intégré contenu et langue est une approche pédagogique double dans laquelle une langue additionnelle est employée pour enseigner et apprendre à la fois le contenu et la langue. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, au cours de ces ateliers, les participantes ont pu apprendre 2 choses. Elles ont appris la danse classique par le biais du français et le français par le biais de la danse classique. C'était motivant pour
elle. C'est une expérience motivante, authentique et pertinente. Elles pouvaient directement mesurer leur progrès, puisque mieux elles comprenaient le français, plus il était facile d'apprendre les mouvements. Et plus elles comprenaient les mouvements, plus peut-être pouvaient faire des liens avec la langue française. C'est toute une activité extracurriculaire, ce qui est promu par la méthode CLIL. Et enfin, c'est une manière différente d'enseigner. Je n'aurais pas enseigné ces ateliers de la même manière si j'avais eu en face de moi un public exclusivement francophone. Donc, il a fallu adapter ma méthode d'enseignement, employer énormément de modèles visuels, mon corps, ma gestuelle, mais aussi des images. Parfois, j'apportais des images pour expliquer, des photos pour expliquer des choses. La parole, évidemment, c'est essentiel. Ce qui était également primordial, c'était de créer une atmosphère décontractée. Les étudiants étaient là pour apprendre le français et la danse classique, mais ils étaient surtout là pour s'amuser. Et c'était essentiel qu'on mette l'accent sur le divertissement. Donc, il a fallu reconnaître mes propres limites. Je ne suis pas une danseuse professionnelle, donc il m'arrive de faire des erreurs. Et par exemple, lorsque je perds l'équilibre, j'assume. Et donc, il fallait exagérer, caricaturer les mouvements parfois. Il fallait aussi encourager, c'était essentiel d'encourager les danseuses après un exercice, etc. Je les corrigeais aussi, mais mes corrections se limitaient plutôt aux erreurs qui pouvaient affecter leur bien-être physique. Le reste, qu'elles fassent des erreurs en soi, ce n'était pas très important. Alors, je vais vite terminer. J'ai fourni, donné un questionnaire, 7 participantes y ont répondu. Ce que je veux montrer par ce questionnaire, donc j'avais des participants de différents niveaux, de la licence jusqu'au doctorat, ce sont surtout des doctorantes qui ont répondu au questionnaire d'ailleurs, issues de tous les départements de l'université, avec un niveau de français assez varié, de débutant A1 à un niveau C1. Il fallait s'adapter à toutes les personnes, essentiellement des personnes qui n'avaient aucune expérience de la danse classique. Alors, ce qui est plus intéressant ici, c'est les objectifs. Pourquoi elles ont voulu participer à ces ateliers? Essentiellement pour parler le français, entendre du français, et puis s'amuser et se détendre. Ce qu'elles ont amélioré, selon elles, au cours de ces ateliers, d'abord, c'est leur connaissance de la danse classique, de la technique et du vocabulaire, mais aussi leur compétence d'écoute et leur confiance en elles. Alors, les commentaires généraux étaient vraiment très positifs, mais c'est un petit peu biaisé puisque les personnes, je pense, qui ont répondu au questionnaire étaient des personnes qui avaient apprécié les ateliers. Pour conclure, les limites du projet, il y a certaines choses que j'avais prévu de faire et que je n'ai pas pu faire. Par exemple, je voulais créer des exercices d'improvisation au troisième trimestre où leur passer des chansons françaises, peut-être leur donner leurs paroles, les paroles des chansons aussi, leur demander d'interpréter, de traduire les chansons en mouvement. Ce que j'avais prévu aussi, ce que la bourse incluait, c'était une sortie, aller voir le ballet Gisèle par le Wales Ballet Company. Ça nous permettait non seulement de voir un ballet classique, mais aussi de sortir ensemble, d'aller boire un verre et de pouvoir parler français dans une atmosphère décontractée. Je voulais aussi faire des interviews avec des volontaires pour explorer plus en profondeur leur motivation, la perception de leur progrès en français, en bien-être, etc., au cours des ateliers. Et puis aussi, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'elles avaient apprécié dans les ateliers et ce qu'elles voudraient voir implémenter dans un cours de langue. Bon, ça va être pour plus tard. Alors, mes idées pour le futur, c'est peut-être créer des cours en ligne pendant cette année académique, mais je ne suis pas sûre que ça va se faire dans la mesure où ça va être une année extrêmement chargée, donc je ne crois pas que j'aurai le temps de le faire. J'espère pouvoir reprendre les ateliers en présentiel dans le futur, en 2021. Et puis, je voudrais continuer ce projet plus en détail, peut-être collaborer avec des biologistes ou des neuroscientifiques pour vraiment étudier cet impact de la danse sur l'apprentissage des langues. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Géraldine. Je vais voir s'il y a des questions dans la salle ou sur YouTube.
Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, non, je vois rien sur le fil YouTube. Donc, on va prendre les questions dans la salle. Je vais continuer en anglais si je peux. No problem. I can answer in English. Good. I think I understood everything, and I would just like to thank you very much for your originality and thank you. Passion. I think you've obviously included your passion in this. Was this only extracurricular, or was it possible for students to get credit in any way for this? No, it was not. Extracurricular. It's really the beginning of a project, and I kind of hope that maybe in the future that would be valued, as student could have something for, I don't know, oral skills or listening skills, etc. But no, so far it was really just for fun. Right. We have a course here called Autonomous English, where we do all these kinds of things, such as the usual presentations, grammar, but it also includes fun things like watching films together, cooking, and so on. And I thought that this kind of physical approach is so great, actually. Yeah. And in fact, this semester with COVID, I also had the idea of sending my students just a message with a link to yoga with Adrian for very similar reasons as what you're doing, but you've taken it about 1,000 steps farther than me with one link to yoga in English. So yeah, I think I appreciate and understand the benefits of this. And was it possible for you to measure the improvements of language for the students in any way? Most of the students who participated were not my students, but I had, because this year I started a little bit last year, I had some students, some of my students who did it, and I can measure the progress for them. I had notably a Chinese student who was very motivated both in French and in ballet, who was very shy and struggled a little bit, but at the end of the year for the oral exam, I was quite impressed with what she had accomplished. Obviously, it was not just ballet, but I think that coming regularly and hearing me, but all other participants speaking French and try to speak French with them really helped. Right. I also feel that this combination of developing body confidence and the second language experience, for some of them, maybe third language experience, could also be a really, really interesting combination of skills. Are you doing any postgraduate work on this topic now? Or is it just a hobby for you at this point? I would say it's more, I can't say it's a hobby because, I mean, I had a little bit of funding from the university, so that's slightly more than a hobby, but I haven't pushed it that far. That's what I consider doing in the future, is proper research on it. But I could feel a little bit of reluctance from the university. I think it's quite unusual, and therefore I need to convince people first that it's worth researching before being actually able to do some research, but I'm optimistic. Right. Well, your bibliography is very, very extensive, so it looks like there's already something out there. Yes. I've done my homework. What kind of perseverance was there from the students? Because I noticed there were 9 ladies in the first photograph, and then 6, I think, in the final photograph. Does that mean that some of them dropped off from the start to the end? Yes, yeah. There are some people who came almost every time. Mm-hmm. And then some people who came from time to time, and people who came just once, just to have a try. So so it was varied. I had also a few postgraduate students who did that, and that, for example, could not come at the end because they were doing some research elsewhere. So Right. Okay. So varied.
Thank you very much for all your questions or answers. Thank you. We have another question here in the room. Si je comprends bien, dans la classe, les étudiants dansent, bougent, ils font des mouvements différents, et vous parlez français, ils répètent, etc. Vous expliquez oui. un petit peu, mais c'est seulement oral, il n'y a pas de, il y a personne qui prend des notes, etc. Non. Donc c'est pas, l'orthographie s'est perdue un peu. Oui, mais... C'est seulement politique. Hein, oui, c'est juste l'oral. Donc, ce qui était important aussi pour moi, c'était au début, j'arrivais toujours à l'avance d'accueillir les étudiants et de leur parler, de les inviter à discuter de n'importe quoi, leur demander comment ils vont, comment ça se passe pour eux, etc. Donc, l'accent était sur la communication, les compétences d'écoute et les compétences orales. Je comprends, les autres, mais ça veut dire qu'il y a déjà un niveau français pas mal, probablement. Oui. À part des étudiants, parce que c'est très difficile non, de partir de zéro. C'est possible, est-ce qu'il y avait des étudiants qui partaient de zéro et seulement étant observant, etc. J'ai eu une étudiante, c'était une étudiante, une doctorante, qui n'avait jamais fait de français, mais que je connaissais de cours de danse que je suis comme étudiante moi-même. Et donc, je lui en avais parlé, elle était venue. Mais il faut préciser qu'elle est mexicaine, donc sa langue maternelle est l'espagnol. Donc, elle avait l'habitude de la danse classique. Et bon, le français et l'espagnol sont quand même assez proches. Donc, si on connaît la danse classique, je crois qu'on peut assez facilement suivre les ateliers. Si on n'a aucune expérience et en danse classique et en français, c'est plus difficile. Tout le monde était le bienvenu. Ouais. Mais en général, les personnes connaissaient l'un ou l'autre. Une question à la fin. J'ai observé qu'il y a beaucoup de flamenco mentionné dans le texte, comme la danse classique, par exemple, flamenco. Est-ce que vous pratiquez aussi des danses françaises typiques, traditionnelles, qui sont françaises? Non, je ne connais pas de danse folklorique. J'ai fait différents types de danse, de la salsa, du tango, etc. Mais je n'y connais pas en danse traditionnelle. Mais bien sûr qu'il y en a. Quand j'étais petite, j'ai appris à l'école maternelle des petites danses folkloriques donc de ma région. Donc je viens de Liège en Belgique. Mais le flamenco pour l'espagnol, la danse française pour le français, etc. Merci beaucoup, Géraldine. Je pense qu'on va être obligé de s'interrompre, mais je voulais quand même mentionner, parce que je pense qu'il y a vraiment des similitudes. Je voulais mentionner le travail de Jean-Rémy Lapeyre, qui est professeur en linguistique anglaise à l'Université de Bordeaux et qui a beaucoup travaillé sur l'utilisation du corps pour l'apprentissage de la langue. Notamment, il a fait des conférences dansées qui s'appellent Langue vivante en vie, qu'on peut trouver sur YouTube. Il a fait des choses qui s'appellent Grammar in Motion ou The Physicality of Speech and Gesture. Et donc, lui, c'est plus lié vraiment l'apprentissage de la langue avec des mouvements du corps. Il travaille sur le corps et sur l'apport du corps dans l'apprentissage dans son propre corps de la langue. Et donc, sur l'utilisation du corps. Alors, il se sert beaucoup de danse contemporaine. Moi, j'ai pu faire des conférences dansées où il nous parlait de ce qu'il faisait en cours avec ses étudiants de niveau de CAPES anglais. Et c'est vraiment impressionnant.
Et Jean-Marie Lapeyre. Jean-Rémy Lapeyre. Jean-Rémy. Lapeyre. Et il est Lapeyre, et il est professeur en linguistique anglaise à l'Université de Bordeaux. Et ça fait des années qu'il travaille sur cette proximité entre le corps et l'apprentissage de certains éléments, notamment la grammaire, par exemple. Et je vais noter son nom. Ça rejoint, c'est pour ça, parce que ça rejoint vraiment ce que vous essayez de faire. Je pense que ça pourrait être intéressant. Il dit par exemple que la grammaire cognitive a commencé par s'appeler grammaire de l'espace, et donc que la cognition joue un rôle dans l'appropriation par le biais du corps, etc. Enfin voilà le style de choses sur lesquelles il travaille. Donc ça rejoint vraiment ce que vous faites. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Et puis, merci beaucoup. Je vais déconnecter. De toute façon, on n'avait pas... Ah si, on avait quelques petites questions sur YouTube, mais qui sont apparues après. Donc, je pense qu'on n'a plus le temps de répondre, malheureusement. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.